Hello, hello, bienvenue sur Nexty. Bon, alors, petite vidéo très très courte. La question primordiale quand on joue au golf, pour moi, enfin primordiale peut-être pas en fait, une question tout court. Où pose-t-on le râteau à côté du bunker? Une grande question, je vous invite à répondre dans les commentaires, nous dire où est-ce que vous le posez habituellement. Et s'il y a des pros de golf qui peuvent nous dire où ils nous, nous conseiller pardon, de poser le râteau et le conseiller à tout le monde, pas que ce soit gênant. Parce que là, par exemple, je viens de jouer, je suis au golf d'Omaha Beach. Je viens de jouer et en fait j'avais le râteau qui me gênait visuellement. Alors je peux le bouger, on est bien d'accord, mais juste que pour moi, je trouvais qu'il n'était pas posé du bon côté déjà et qu'il était dans une partie dans le bunker. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ou pas? Je ne sais pas. En général, moi je le mets à l'extérieur. Donc, répondez dans les commentaires où vous le mettez habituellement et voilà, les pros vont nous dire où il faut le mettre, ou ceux qui connaissent bien les règles, où il faut le mettre en général. Il y aura forcément, on sera pas forcément tous d'accord, je pense, mais en tout cas, ça soulignera quelque chose, c'est qu'il faut toujours ratisser une fois qu'on est dans le bunker. Voilà. Merci à vous et répondez dans les commentaires. Encore un râteau comme ça. L'autre là-bas, il est dehors, en dehors du bunker. Et celui-là aussi. Il est content de tirer un tiers. C'est comme ça que je l'aimais, moi. Deux fois la même chose. Donc pour le coup, ils vont pas se battre. Hein. Alors, bel exemple de positionnement de râteau. Voilà. En voilà un. On a encore un autre différent là-bas, dans le bunker complètement. Ouais, il y en a deux qui n'étaient pas d'accord, mais ils se sont dit on va faire là, comme ça. C'est du 2 tiers 1 tiers, mais dans l'autre sens. Et un râteau complètement dans le bunker.